pollution, dérèglement climatique, pendant que certains nous prédisent l'apocalypse, d'autres construisent l'avenir. Ce sont les héros d'écologie. Ils ont déjà des solutions pour l'habitat de demain. Un des premiers principes de la construction écologique est l'insertion dans le milieu environnant. Comment l'architecture peut-elle s'adapter au paysage? Par quel subterfuge? On a un problème quelquefois, c'est que des clients ne trouvent pas les gîtes. On ne voit pas, on ne voit plus rien de la route, on ne voit plus rien. Et même quand on est sur le terrain, on a quelquefois un petit peu du mal à voir qu'il y a effectivement des logements. En Floride, la Dune House semble engloutie par le terrain où elle a été construite par l'architecte William Morgan dans les années 60. Une aberration à l'époque, un exemple aujourd'hui. Conçues par l'architecte Édouard François, les gîtes de vacances de Jupille dans la Sarthe, eux aussi se fondent dans le paysage. Mais ici, c'est une forêt. Quant au sage Renzo Piano, il a imaginé une architecture discrète pour un bâtiment monumental, l'un des plus anciens musées des États-Unis, l'Académie des sciences de Californie. Sur une plage de Floride, à Jacksonville, une maison se cache entre des constructions classiques et finalement beaucoup moins discrètes. C'est la Dune House. La découverte de la Dune House, ça a été un heureux hasard. Je devais emménager sur la côte et je cherchais une maison bien agencée, près de la mer. Mais je n'avais absolument pas prévu de vivre sous terre et d'avoir du gazon sur mon toit. Je ne voulais pas non plus spécialement vivre dans une maison originale, mais quand je l'ai vue pour la première fois, j'ai eu le coup de foudre. Andrew est un des locataires de la Dune House. Le deuxième appartement de la maison est occupé par Richard. J'ai fait pas mal de recherches sur l'architecture moderne, en particulier à Jacksonville. Et M. Morgan est sûrement l'architecte le plus connu et le plus influent ici. Dans la ville, on ne peut que remarquer les constructions de l'architecte de la Dune House. En règle générale, j'ai essayé de concevoir et de construire des bâtiments en accord avec le paysage, avec l'environnement auquel ils appartiennent. Quand on a construit cette maison il y a 35 ans, personne ne savait ce que c'était que l'écologie. Personne n'aurait su épeler ce mot, encore moins en donner une définition. À l'origine, la dune était très haute et recouverte de végétation. Il y avait donc cette grande dune qui descendait jusqu'à la mer. Et ma maison y était accolée. Alors j'ai trouvé intéressant de construire un bâtiment qui respecte les lignes de ce paysage. L'atout principal de la Dune House, ce qui fait que c'est une maison écologique, c'est l'utilisation de la terre comme d'un isolant. À cette époque de l'année, la température reste à 20 degrés. Donc, on a essayé d'utiliser la terre comme une sorte de couverture isolante. Cette isolation permet de réguler la température à l'intérieur de la maison comme on veut. Nous
Dans cette maison, pour l'usage courant, c'est-à-dire pour les toilettes, le lave-linge, on n'utilise pas l'eau distribuée par la municipalité, mais de l'eau de pluie récupérée par le toit. Avec cette construction, on ne sait plus où commence la maison et où elle s'arrête. On vit dans le paysage. Je ne savais pas si j'allais avoir trop chaud ou trop froid, ou si j'allais me sentir isolé, mais en fait, quand je suis chez moi, je me sens vraiment faire partie du monde. Et quand je suis sur mon toit, je n'ai pas l'impression d'être sur le toit de ma maison. J'ai la sensation d'être dans une des pièces de la maison. En tout cas, je n'ai pas du tout l'impression d'être dans une grotte. Contrairement aux bâtiments traditionnels, la Dune House emprisonne la lumière. Elle la capte et la fait rebondir à l'intérieur. Pour bâtir les fondations, on a creusé environ 3,60 m. Pour construire la Dune House, on a suivi une technique utilisée pour la construction des piscines. On creuse dans le sol la forme d'une piscine. On renforce l'intérieur avec des barres en acier et ensuite on coule du béton extrêmement résistant appelé gunite. Maintenant que je vis ici, si près de la plage et de la mer, c'est dur d'imaginer vivre ailleurs. Vous voyez, je n'ai pas l'impression d'aller à la plage. J'ai plutôt l'impression d'aller dans mon très grand patio au bord de l'eau. Il y a quelques jours, j'ai donné rendez-vous à une amie ici, au 1941 Beach Avenue. Elle m'a répondu qu'elle voyait très bien où c'était, mais elle n'a pas réussi à trouver parce que la Dune House ne ressemble pas du tout à une maison. La maison est une invitation à aller voir ce qui se passe dehors. Je pense que la création de ces deux grands yeux qui regardent vers l'océan vient précisément de mon désir d'embrasser du regard le plus largement possible l'environnement qui m'entoure. Ces deux grands yeux voient la plage et la dune et le chemin qui mène à la mer qui est comme une invitation à le suivre jusqu'à la mer. Nous quittons cette maison remarquable, mais qui fait tout pour qu'on ne la remarque pas, pour la France.